Le MUC 72 a enfin retrouvé le sourire et un vestiaire joyeux samedi soir après sa victoire face à Valenciennes, la meilleure équipe pourtant à l'extérieur. Une image que l'on n'avait plus vue depuis la réception de Lens il y a 2 mois et demi. Sébastien Corchet a inscrit de la tête son premier but chez les professionnels après une demi-heure de jeu. Un avantage de courte durée cependant, 3 minutes plus tard, Danick égalise. Et lorsque Maïga se fait expulser en fin de première période, on se dit que la tâche allait être difficile pour des mucistes, une nouvelle fois réduit à 10. Mais c'était sans compter sur un coup franc superbement tiré par Anthony Le Tallec en toute fin de rencontre. Premier match et donc première victoire pour le nouvel entraîneur Arnaud Cormier. Une véritable délivrance pour tout le banc manceau. Un résultat qu'il va falloir confirmer dès mercredi soir en recevant la Lanterne Rouge Grenoble.